un verre d'eau et c'est terminé. Coucou les filles, coucou les garçons, nous voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc moi, ça va. Donc là, il doit être 14h ou 15h. Je viens de manger. D'accord? Donc là, j'espère que cette vidéo-là va vous plaire. Donc là, c'est une vidéo où je vous montre ce que je mange pour pouvoir perdre quelques kilos pour aller en Guadeloupe. En Guadeloupe, je me casse. Donc voilà. Donc les enfants, on va commencer par ce que j'ai acheté. Donc j'ai été chercher du lait pour Nano. Parce que vous savez les enfants, la dernière personne qui prend le lait dans le placard dit à maman ou à moi que il n'y a plus de lait. Ok, donc Nano s'est retrouvé sans lait parce que Bibi n'a pas dit qu'il n'y avait plus de lait. Donc voilà, donc j'ai été chercher du lait chez Intermarché. J'ai acheté 8 briques de lait pour 5,99 €. Donc la marque Lactel. Peut-être que je vais retourner en chercher encore parce que ici, consommation de lait, vous ne pouvez pas vous imaginer entre Bibi et Nano. Bref, allez go. J'étais chez nos avants. Donc, comme je vous ai dit, les enfants, je m'arrache aux Antilles. C'est bizarre parce que ce haut-là, je suis sûre qu'il y avait des épaules, mais on ne le voit pas. Ça a dû tomber dans le magasin. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. C'est trop grand. J'ai pris la taille M. C'est H&M. J'ai pris la H. J'ai pris la taille M. Donc, c'est juste un t-shirt classique blanc. Regardez. Très ouvert, très long. Donc, pourquoi j'ai pris ça? Déjà, j'aime bien les styles de vêtements comme ça. Mais je les mets à l'origine parce qu'il y avait les épaulettes. Sauf que là, il n'y a pas les épaulettes. Bref. Donc, je l'ai pris pour quand tu sors de la plage, quand tu es toute la journée là, en mode plage, 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 et que tu n'as pas envie de mettre les vêtements que tu avais le matin sur toi. Donc, je vais mettre ça. Voilà. En fin d'après-midi, en fin de soirée, tu en as marre, tu as fini. Voilà, tu sais que voilà, tu rentres chez toi. Tu mets ça sur toi et tu es à l'aise, blaise. Ok? Donc voilà. Donc j'ai payé ça 3,50 €. Donc le prix n'est pas dessus, mais c'est 3,50 € que je l'ai payé et c'est H&M. Donc en ce moment-là, chez Nose, H&M, il n'y a que ça. Bref. Et pour faire du sport, les enfants, j'ai acheté ça. Donc ça, ce n'est pas son prix, c'est le prix de l'autre. Donc ça, j'ai acheté ça. Ce pantalon-là, donc je regarde si c'est H&M, mais c'est pas H&M. Il n'y a rien écrit dessus, à part Made in China. Donc, ce pantalon-là, très élastique. Franchement, le S m'allait. Sauf que quand tu le fais rentrer, il faut tirer dessus. Franchement, je n'ai pas envie de faire d'effort. Surtout si j'emmène ça en Guadeloupe, je suis morte. Donc, autant prendre la taille M, ouais, ouais, très large. Et essayez-les parce que il y a des modèles. On croit que c'est XL, mais quand je l'ai mis sur moi, il était plus serré que le M là, ça. Alors, ok. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris le pantalon, mais il y a le pantacourt aussi. J'adore cette couleur-là. J'aurais pu prendre en rose, en gris, en bleu pâle, en vert pâle, mais j'ai préféré prendre cette couleur-là. Donc, voilà. Pour 6,99 €. Donc, voilà. Donc, j'irai marcher là-bas. Je vais me forcer à marcher là-bas. Nanou, il a mal au genou, donc s'il ne peut pas marcher, moi, je mettrai mon petit truc sur moi et je vais monter la pente qui a chez mes parents. Donc voilà. Attends. Donc voilà, c'était Nanou qui me disait que je faisais une vidéo et le lit n'est pas fait. J'ai dit, mais attends, les gens, ils ne voient pas mon lit. Hein. Donc voilà. Et l'autre, c'est un cycliste. Pareil, le mec m'a mis le prix parce qu'il n'avait pas le prix. C'est 3,99 €. Ok. Pour celui-là. Et voilà. Franchement, j'adore. Donc, des fois, je mettrai ça. Et des fois, je mettrai l'autre. Je pense que l'autre, il faudrait le mettre tôt le matin. Parce que des fois, le matin, il fait frais si tu vas marcher à 6h du matin. Donc, voilà. Ma mère, elle aime bien marcher. Mais en ce moment, elle ne marche pas. Parce qu'elle a un problème. Donc, elle ne marche pas. Mais elle va nager. Donc, quand elle ira nager, je vais me forcer à aller marcher. Donc, voilà. Trop bien. La couleur, vous ne la voyez pas exactement comme il est. Hein. C'est un sort de rose un peu plus foncé que ça. Le vert, pareil. Le vert est un peu plus foncé. Ah, ouais, non. Le vert, il... à peu près. Mais le rose, il paraît pas pareil. Bref, on dirait que je suis carré. Donc, voilà, les enfants. C'est surtout
Et tout pour ce petit morceau de première journée où je fais attention à ce que je mange. Donc, j'ai quand même mis ma robe d'été parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. OK? Donc, vous allez regarder comment c'est sur moi. Donc, voilà. Donc, je m'en fiche. Je mets ma robe quand même sur moi. Et puis, poids ou pas poids, la vie continue. Gros bisous, c'est Timouna. Tiens, Béren, pas molly. Donc, là, on va sortir. Si je mange quelque chose de la journée, en plus de ce que je vais vous montrer là après, ben je vous dirai. Même si ou je mettrai une photo. Si je ne parle pas, je mettrai une photo. Allez, gros bisous. Donc là, c'est parti. Premier repas de cette séquence de perte de poids. Oh my God! Voilà. Concombre. Salade, olive, poulet, comme ceci, et un reste de quiche au saumon, et du pain, et ça, la moitié, hein. Pas tout, la moitié, juste un verre, et ça, je mets au frigo. Donc là, repas du soir, donc là, je vais cuire ça, des blettes à la vapeur avec du blanc de poulet en steak haché. J'avais acheté ça congelé. Et on va faire un petit apéro en mode sain, 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 sain. On va voir. On va voir. Donc, à tout de suite. Là, en fait, c'est vrai comme je dis là, donc on a acheté. Pourquoi je parle le créole? J'ai acheté du noisson encore, de la motte. Franchement, ça coûte 2,59 €. Moi, je trouve ça assez classe. Dedans, il y a des gros morceaux de sel. Donc, c'est pour Bibi. Et c'est la même quantité que le paquet, les autres beurres là, carrés, banal. Donc, voilà. Regardez bien, je vous ai fait une toute petite vidéo, donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc j'ai pris ça pour Bibi. J'ai pris ça au cas où on doit faire un gâteau à 2 € au beurre doux. Là, c'est des tomates grappes à 2,49 € le kilo. Et ça, c'est le beurre de Nanou. Voilà, c'est ça, monsieur veut manger. Ok? Voilà. Demi-sel. Bah, il m'aurait tué. Et j'ai pris tomate cerise pour ce soir. Ok? Ensuite, bah, c'est tout ce que j'ai acheté. Et encore, j'ai repris du lait parce qu'il était en promo. Donc 6,99 €. Non, 5,99 €. Les 8 packs de lait plus. C'est dans ma plaque. Il y en a deux dedans. Il y a deux en plus. Donc c'est cette marque-là que j'ai pris. Allez go, c'est parti. Je lave mes mains et je fais mon manger. Demain, je sais pas. Non, après demain, peut-être qu'on aura un invité. Donc j'ai pris ça pour lui. Donc j'ai pris, j'ai choisi ça parce que c'était un promo. 3,89 €. Donc ouais, c'est ça. Et il mettait sur ta carte, donc ça te revient à 2,80 €, je crois. Donc j'ai pris deux. Donc celui-là. Donc c'est Australian Macadamia Mia. Et là celui-là c'est Almond Java Vanilla. Donc en connaître Nanou, ça se reçoit avec moi des moyens là-dedans. Mais il y a 4, 8 en tout. Ok. Donc voilà, c'est Intermarché. Allez, ben, je mets mes trucs pour le compost. Donc, dans mes plantes, je garde des trucs pour le compost. Donc, je vais mettre ça demain. Parce que là, il plaît. On a pris ça aussi. Je vous mettrai une petite vidéo. Et 4 saucissons pour 10 €. Donc, on a choisi celui-là, le nature. Nanou a voulu piment d'Espelette. Là, c'est. Je ne m'appelle plus le nom. Voilà la marque, déjà. Donc, je ne me rappelle plus le nom de celui-là. Choisi celui-là à l'ail. Ah, ça sent l'ail. Hein. Il y avait canard aussi. Canard et ail, mais bon, j'ai goûté, j'ai pas aimé.
Je voulais poulet pour donner à ma famille, mais ils n'ont pas de poulet tout court. Ils ont de la volaille, canard et dinde, mais ils n'ont pas dinde ou poulet tout seul. Ça fait longtemps qu'on fait les marchés en Bretagne. Ah, ok, d'accord. On a une boutique aussi à Concarneau, on a quelque chose. Et du coup, bah, là, comme on a racheté la maison de mes grands-parents à Dinan, du coup, c'est une boutique pour nous à Dinan. Après, on est un petit peu partout en France, on fait toutes les foires. Ça, c'est du boulot. Bah oui, c'est du boulot. Ah ouais. Allez-y. Donc, c'est les saucissons Kisbo qui veut dire c'est bon en catalan. Ok, merci. À New York, de 1962 à 74. Une fierté française, un palace sur l'Atlantique, accueillant... Voilà, terminé. Dimanche 5, il doit être midi, un jus de goyave, resquiche et ça. Et je vais manger dehors. Les fleuristes logent dans des cabines comme celle-ci. Nous sommes dans un salon grand luxe, au top de la modernité. Télévision, téléphone et même climatisation. Pour l'époque, c'est le summum. Quant à la classe touriste, la... Coucou les filles, coucou les garçons. Donc voilà pour une nouvelle vidéo. On est lundi Pentecôte et je suis plus qu'énervée. Donc là, j'ai rien mangé ce matin. Je vais juste marcher, aller chez Netto, acheter quelque chose. Peut-être que je vais trouver les jus de Lady Cosette. Et en même temps, prendre du thon. Donc, ça me permet de marcher et de faire mes 10 000 pas que je dois faire par jour. Lol. Je vous laisse, je vais chez Noz. C'était pas prévu. Je vois que Noz est ouvert. Donc, je vais chez Noz. Allez, bye. À tout à l'heure, les enfants. Oh my God, j'ai failli me casser le nez. Donc, voilà. Donc, là, je retourne de chez Netto. Lady Cosette, j'étais tellement fâchée que j'ai même pas regardé le jus que je veux. J'étais allée regarder le jus que Lady Cosette avait acheté. Bref, donc j'ai le thon, il y en a plus. Donc voilà, ça m'étonnait aussi à ce prix-là. Donc j'ai pris autre chose pour tester. Donc j'ai pris du thon en boîte, mais qui est très gros. Mais juste là, c'est par curiosité que je l'ai pris pour voir la qualité. Donc j'ai pris ça. J'avais jamais vu du thon comme ça aussi gros. Et j'ai pris, attendez, une autre marque, pareil, chez Netto, top budget. Donc je vais les ouvrir en même temps, parce que si j'ouvre une après l'autre, je ne verrai pas la différence. Et ce jour-là, je vais faire une quiche avec, ou voilà, une nourriture au... Je sais ce que je vais faire avec. Donc voilà, bon, pour revenir à nos moutons, les enfants, franchement. Donc là, regardez-moi ça, regarde, je passe. Guadeloupe. Donc, oh non, pourquoi passer? Donc voilà, donc je disais, ah, je ne sais pas pourquoi passer parce qu'il y a la rue. Il y a une autre rue aussi, je vais vous montrer le nom qui est écrit dessus. Donc voilà. Oui, Martinique, à tous les Martiniquaises. Voilà. Donc là, les enfants, je vais chercher mes deux rideaux ou quatre rideaux. Oh, j'ai pris quatre rideaux. Nanou va me tuer.
Je crois que j'ai acheté 4 rideaux ou 2. J'ai acheté 4 rideaux. 4 rideaux. Donc voilà. Donc les enfants, je vous dis bye bye. J'ai rien mangé. Il est presque midi ou je sais pas quelle heure. Attends, je regarde si je peux voir. Ouais, il est midi 8 et j'ai pas encore mangé. Donc là, je vais manger ma soupe. Mais là, je devais me garder la soupe pour ce soir, mais je sais pas. Je vais voir si je mange une grosse assiette de soupe. Mais franchement, c'est assez dur. Je sais pas si je vais tenir une semaine à vous filmer ça. Mais c'est quand même dur. C'est quand même dur. Parce que... des fois, le soir, j'ai faim. Hier soir, avec Nanou, on avait faim. Mais Nanou, lui, il s'en fout. Il prend son truc. Hein. Regardez. Quoi, voilà, Nanou, il a mangé hier soir. Céréales plus, comment s'appelle, la glace. La glace que j'ai failli craquer. Mais quand j'ai regardé la glace, j'ai vu, déjà c'est du chocolat au lait. J'ai dit, ah non, je ne vais pas me forcer. J'ai laissé tomber. J'avais vraiment envie de grignoter. Et j'avais pas envie de boire de thé. Allez, go les enfants. Je suis presque arrivée chez Noz. Je vais chercher mes rideaux. Et je vous dis à tout à l'heure quand je vais manger. Parce que regardez la coiffure que j'ai fait de ma tête. Moi, je fais toutes les coiffures qui me passent par la tête en ce moment. Je vais couper là. Je passe jamais par là, mais... Et... Ça se dit, quoi. Donc, voilà. Je fais une route qui n'est pas ma route. Et... Parce que je ne veux pas mettre des tresses pour l'instant. Je vais mettre des tresses juste avant de me barrer. Direction la Guada, les enfants. Direction la Guada, tu comprends? Je me casse en Guadeloupe. On part en Guadeloupe. Allez, go, bisous. J'arrive à Noz. Donc là, voilà les rideaux. Je vous montre vite fait les rideaux Noz. Donc voilà. Donc je me suis trompée de taille, mais c'est pas grave. La soeur de Nanou va couper ou sa collègue. Regardez. J'adore. Voilà. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris du ketchup, un gros pot de ketchup chez Netto. 550 grammes. Si c'est ça. Hein, à 1,17€. Donc c'est pas cher du tout. Donc pourquoi j'achète du. Comment ça s'appelle? Pourquoi j'achète ça tout de suite? Parce que. Ça fait longtemps que j'ai pas de ketchup, mais j'avais vraiment envie que Nanou et Bibi terminent les sauces. Oula. Terminent les sauces. Donc si j'avais pas fait ça, ben on aurait perdu ça. Donc vous voyez, maintenant c'est comme ça. Et celui-là, il reste ça dedans. Donc voilà. Donc, et là maintenant, vous voyez, ils finissent, mais ils ne jettent pas dans la poubelle. Voilà. Il fait très beau. Donc je reçois les fleurs de madame voisine. Donc je dois me taper ces fleurs. Là j'ai balayé hier. Il fait beau, hein. Donc là, juste un petit apéro ce soir. Donc, saucisson. Du saumon en mode invention. Hein. Et là, sans saumon, là, nous n'aime pas le saumon. Saucisson à l'ail. Et nature. Donc voilà. Ougaï saucisse de Nanou, donc voilà, avec un petit verre de jus. Voilà, Ougaï. Est-ce qu'il est bon? Il est au top. Il y a mis de bongo. Bongo. Oui. Voilà, cassis framboise. Voilà. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc là, moi, ça va. Aujourd'hui, je me suis réveillée très tard, vers 10h. Donc, parce que j'étais malade hier soir, j'avais un invité avec Nanou. Et j'ai trop mangé, j'ai bu du Volnair demi-sec
et j'ai rajouté du sirop de pêche passion dedans, crème de pêche passion. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et j'ai bu trop vite mon verre. Ça, crème, voilà, fruit de la passion, crème de pêche. Bah, pas pêcheur, mais enfin, vous avez compris. Donc voilà. J'ai bu mon verre trop vite en sachant que mon verre c'était ça. Donc il était plus large et leur verre c'était ça. Bref, donc j'étais malade toute la nuit. Mon ventre était gonflé comme jamais. Donc, et Nanou il a fait rougail saucisse et riz. Donc je ne sais pas si c'est ça qui m'a fait ça aussi. Puisque j'ai mangé une bonne assiette, mais je n'ai pas pris deux fois. Donc voilà, donc, je me suis retenue et j'ai grignoté des cacahuètes, du saucisson. Et là, je vais vous montrer aujourd'hui le reste des blettes. Du saumon, ça c'est toujours aussi reste de hier. Et ça, j'avais laissé. Donc je l'ai mis à cuire. Donc voilà, donc je vais manger ça aujourd'hui. Ah là là. Donc je vais manger ça aujourd'hui, les enfants, tranquillement. Donc voilà. Donc là, je regarde par la fenêtre et je vois Bibi qui fait son job d'été. Ouais, c'est dommage, j'ai pas pu la filmer parce qu'elle est passée devant la fenêtre. Et je les vois au loin. Donc tout à l'heure là, je regardais avec une longue vue. Je la voyais, mais là, bon. Bref. Donc voilà les enfants. J'attends que mon truc soit cuit au four. Je vais manger. J'ai plus de jus de goyave. Je vais voir. C'est pas obligatoire. C'est pas une obligation, mais moi, il me faut ma douceur. Donc je vais, ah je vois déjà le gosse qui était avec Bibi qui rentre, j'ai vu sa tête, ouais c'est un gosse. Je vais prendre ça, mon invité hier après l'apéro, il a beaucoup aimé ça. Donc c'est un jus que j'achète chez Lidl, donc je l'avais testé l'autre fois, il est super bon. Donc il faut que j'y aille, et là Nanou aussi arrive. Donc pourquoi Bibi n'arrive pas avec Nanou? Donc Bibi n'a pas fini. Donc Bibi arrive aussi, enfin Nanou arrive, je le vois au loin. Ouais, il arrive, mais sans Bibi. Bibi n'est pas dans le coin. Enfin, bref, les enfants. Donc, à tout à l'heure. Et voilà, regardez-moi ça. Attends. Ah, merde. Voilà, du saucisson de hier. Donc, voilà. J'en ai quand même mangé. Super bon. Bref, c'est pas bon quand tu fais attention, mais bon. Moi, je ne fais pas un régime draconien. Je fais juste attention à ce que je mange pour perdre un petit peu le poids avant de partir en Guadeloupe. Regarde le Nanouchka là, regarde-le. Avec ses lunettes de soleil là. Enfin, bref. Allez les enfants. Donc, je vais vous prendre dans la journée. Normalement, je suis en tenue cycliste. Enfin, cycliste. Je ne sais pas comment on dit. Hein. Leggings. Je vais vous montrer ça. Pour pouvoir aller faire mon petit sport. Je ne vois pas. Voilà. Bon, il est un peu grand. Je regrette un petit peu de ne pas avoir pris le S. Mais pour aller en Guadeloupe, je ne vais pas prendre un pantalon qui va me serrer comme une saucisse avec la chaleur. Je vais être moulée et ça va coller et ce n'est pas très agréable. Allez, go! Go bisous et à tout à l'heure. Ben, plus tard, quoi, si je mange quelque chose ou même quand je vais marcher, je vais vous filmer un petit peu. Allez. Bisous. Donc, allez, go les enfants, c'est parti. Donc, j'y vais. Ok. J'ai juste mis un gilet avec mon pantalon classique, là. Et j'ai pris quand même une petite veste, parce que je sens le vent. Ici, en France, là, le piège du beau temps, et après, c'est laisse tomber la neige. Donc je suis sortie de chez moi, j'étais à 2000 pas sous mon application et là go direction la gare. Je vais régler ce problème de voisinage. Donc voilà, franchement c'est abusé, donc ça peut me permettre de marcher et de perdre quelques calories. Allez go, à tout à l'heure. J'ai vraiment un problème, moi. Il faut que je perde cette manie d'essuyer mes lunettes sous mes vêtements. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, je ne sais pas si vous avez vu,
C'est abusé. Go, là les filles, je me suis changée pour aller au kiné. J'ai marché, j'ai transpiré comme une bête. Je me suis changée. Et j'étais allée chez Lidl que pour acheter une bouteille de jus. Et regardez tout ce que j'ai acheté. Abusé. Abusé. J'ai pris ça pour Nanou à 1,22€. Allez, go. J'ai faim et je ne sais pas quoi manger avant d'aller au kiné. J'ai pas envie de cuisiner. Ah, il y a du saucisson. Une tranche, deux tranches, trois tranches. Je sais pas. Et j'ai pas envie de manger du ogaï maintenant. Bon. Attends, on va voir ce qu'il y a dedans. Non, je vais pas manger du ogaï. Je vais rester sous juste mes saucissons et je les colle. Et un verre de jus. Voilà. Et c'est ce jour-là que j'avais été chercher ces leaders-là. Abusé. Allez, à ce soir pour savoir ce que je mange. Parce que même moi, je ne sais pas ce que je mange. Allez, go. Bon, les enfants. Coucou, les enfants. Donc, on est mercredi 8, je crois. Et là, je vais chez Noz pour voir si je trouve pas des cadeaux. Que je dois offrir des cadeaux. Et franchement là, j'ai faim, faim, faim. Il est midi 10, midi 15. Nano et Bibi sont déjà rentrés. Ils ont déjà mangé. Et là, je vais acheter les cadeaux. Et après que je vais rentrer, je vais me faire une bonne salade. Mais je pense, hein, on verra bien. Oui, c'est dur du tout de faire un régime. Hein. Enfin, un régime. Je n'aime pas appeler ça régime puisque... Je mange du saucisson, voilà, je fais ça comme ça, mais je vais dire réduire sur la quantité, réduire sur la quantité. Allez, go, je suis habillée comme ça, j'ai mis mon pantalon de guerre, et je suis tellement contente, je rentre dedans. Mais les filles, mon problème, c'est que je me rends compte que même je me pèse tous les jours, et je ne maigris pas, il n'y a rien, nada, je fais toujours le même poids. Au début, je faisais 53 et quelques, et là maintenant, je fais 52, 8, 52, 8, 52, 8. Donc, il va falloir que j'aille dans une. Vous n'avez pas ça? Dans une pharmacie pour me peser. Bon, aujourd'hui, j'avais le budget. Enfin, le budget. Je voulais me reposer, mais je pense que là. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie d'aller à la caisse d'épargne, mais j'ai déjà Nanou. J'irai avec Nano parce que j'ai un truc à commander sur internet et ma carte bleue ne passe pas comme c'est une nouvelle carte. Elle ne passe pas, il faut que je la valide avant dans ma caisse d'épargne. Bref, allez, ça m'énerve. Je suis arrivée. Enfin, et pour tout ça, pour vous dire que j'aurais bien voulu marcher. Il fait beau, je suis pas motivée. Hein. Allez, on est. J'ai pas encore fait mes 10 pas, les 1000 pas. Allez, go, c'est parti. On va voir si je trouve un cadeau. Des cadeaux. Je vous montre juste un petit peu. Ouh, des shorts fluo. Oh, Puma. 6,99€. Ah, il est beau celui-là. Il existe même en noir, en bleu marine. Je vais voir si Nanou veut. Il y a des maillots de bain. Mais vous savez, il n'y a jamais votre taille. Ah, ils ont plein de nouveautés. La vache. Orange. Bleu. Ils ont Puma comme ça aussi. Ils sont beaux, hein. Ouh, les fameux maillots de bain. Des gélules pour le stress. Gel douche.
Et le goût. Ça, c'est des petits gants là, à 1,99€. Ça, c'est les fameuses crèmes là, top, 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 top. Application Yuka, 180 et quelques. Ça, Nano l'a testé, il est bien. Il a testé pour les jambes. Moi, j'ai ça. Je sais pas si j'ai déjà regardé l'application Yuka pour ça. €4,99. C'est pas cher du tout, my god, c'est beau. Hein. Moi, si je prends ça, je vais me blesser avec ça. Les fameux bracelets de toutes les couleurs. Rouge, noir, blanc, bleu et noir, bleu, vert. Franchement, top, 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 mais ils sont très gros. Hein. Allez, bon, je vais vous laisser. Enfants, je suis rentrée. Je devais me faire une salade pour manger, mais je me dis autant que je garde la salade pour ce soir, pour manger léger le soir. Donc, je vais me faire un riz que j'avais pris pour tester, comme ceci. C'est du riz, il n'y a rien dessus, il n'y a même pas vraiment de marque. J'avais pris ça chez Carrefour, je crois, je me trompe pas. Et il est de cette couleur là. Donc, je pense que c'est pas, si c'était du riz blanc, ouais, ça craint. Mais là, non, c'est du riz jaune, donc ça va être cuit bien. Ça va être cuit en mode action-réaction. Donc, je vais le mettre à cuire. Et je vais manger ça avec rougail saucisse. Et comme ça, ce soir, je vais manger, comment on appelle ça, pas résistant, mais bon, plus léger. Allez, c'est parti. Pourquoi j'ai pris une grosse casserole? C'est pas grave. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme course chez Noz. J'ai pas trouvé de cadeau, mais attends. Voilà le reste de la rougail saucisse, ok, que Nano avait fait. Donc, je me suis fait mal. Je vais fermer le placard. Je me suis fait mal aux mains. Donc, j'ai déposé plein de choses chez Noz parce que c'était trop lourd. Allez, go, c'est parti. Donc, j'ai pris ça. Donc, voilà. C'est pas pour moi. C'est pour ma mater. Donc voilà, 1,99€ chez Noz. J'espère que ça va pousser. Donc il n'y a pas grand chose dedans. Ensuite, ça, ça m'a fait de l'œil. Donc j'ai pris ceci. Donc voilà, à 2,99€. Ah ouais, j'ai pas vu quand même que c'était 2,99€. De la farine pour faire du pain de kebab. Donc voilà. Ça va jusqu'en 10-11-2022. Donc, si je le fais pas là avant de partir en vacances, ben je vais l'utiliser après. J'ai acheté ça. Donc, je dois le cacher parce que Nano, c'est fini. Ok. 1,99€. Et j'ai pris 4 trucs comme ça au coco parce que j'ai l'intention de faire du sorbet. Donc, les enfants, n'oubliez pas de me suivre sur la chaîne Créole parce qu'il y a des trucs que je mets ici mais que je ne mets pas sur la chaîne Créole et sur la chaîne Créole que je ne mets pas ici. Ok. Donc, le sorbet, je ne sais pas si c'est pas sur la chaîne Créole que je vais le faire. Ensuite, et ça coûtait 99 centimes, ça. Et j'ai trouvé ce haut-là pour les vacances. Donc, j'aurai l'occasion de vous le montrer mieux en vidéo. Elle coûte 3,99€. Donc, je vous expliquerai pourquoi il faut prendre des trucs légers. Hop là! Pour les... Pour quand tu pars en vacances. OK? Parce que...
Là, quand tu vas en Guadeloupe, là, les vêtements te collent dessus, c'est comme jamais. Allez, voilà mon truc. Je vais mettre ça dans l'eau et je vous reprends juste pour vous montrer ce que je mange aujourd'hui. Il fait très, 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 très beau. Et aujourd'hui, je vais faire du jardinage. On est mercredi, hein. Je dois faire du jardinage. Là, c'est très, très, très pratique, hein. Le riz en sachet. Donc, voilà. Donc, je vais mettre mon petite assiette. J'ai déjà réchauffé. Et on va manger. Enfin, je vais manger puisque vous ne mangez pas avec moi. C'est pas beaucoup, mais... Je vais prendre une bonne dose hein, parce que moi j'ai faim pour tenir jusqu'à ce soir. Donc voilà. Ouais, autant que je prenne tout. Hein. Franchement les enfants, il reste que ça. Donc je vais tout prendre. Ça fait beaucoup, mais moi-même, j'ai rien dans le vin. Donc voilà mon plat. C'est pas glamour, mais ça va être bon. Vous allez à beaucoup d'après-midi en France? Non, non, en fait, c'est la première fois. Alors, comment vous savez? Eh ben, je crois que parfois, on sent ces choses. En tout cas, vous êtes un pro pour ce qui est de manger vos traces. Merci. Bon, eh ben, ça va être l'heure de rentrer. Émilie a passé un super après-midi. Alors, bon, bah, j'essaie de lui parler italien dès que je tourne. Je pense que c'est ce que ma vie aurait voulu. Émilie adore ça parce que c'est comme notre langage secret. Merci. Donc, là, les enfants, c'était pas prévu. On est toujours le mercredi 8. Je devais manger une salade ce soir. Mais on est sorti. On a eu un vrai gros imprévu prévu dans notre vie qui fait que on se retrouve à manger ici au resto. Donc, voilà, c'est pas une bonne journée pour nous. Donc, bref. Donc, j'ai pris une badoie gazérifiée et merde, attends. Ma serviette est en train de tomber. Et Nanou a pris ça. Parce que j'avais vu ça dans une vidéo. Comment il s'appelle? La vidéo de Leslie. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle mangeait. Qu'elle buvait du moins, pressée avec amour. Donc je vais goûter. Hein. Mais je ne sais pas si c'est ce produit-là qu'elle avait. Mais bon, bref, moi j'ai pris de l'eau, j'ai pas voulu tenter, donc je vais goûter celui de Nanou et on verra bien si c'est bon. Donc moi j'ai pris du riz encore, de la viande, des légumes dedans. J'ai pas voulu prendre une salade ici, parce que quand tu sors au restaurant, j'ai pas voulu manger une salade quoi. Je pense que vous connaissez, je vous ai déjà parlé de l'éclair. Et en face, il y a le tacos. Lorraine, elle aime bien aller au tacos. Et la gare est derrière le grand bâtiment que vous voyez où il y a la flèche bleue. Donc voilà. Donc, je vais essayer d'ouvrir le jus de Nanou avec ma main malade. Voilà, j'ai réussi. Oh my god, ça sent bon. Oh, c'est super bon! Te calme, s'il te plaît. Ah la vache, c'est bon. Hein. Je regrette. C'est moi qui t'avais goûté ça déjà, alors ça va. Oh. C'est pas bon? Trop bon. Oh, trop bon. Ouais, banane. Donc, moi, j'ai pris encore la même chose. Oignon. Voilà. Et au fond, il y a du riz. Voilà. Nanou, il a pris ça. Donc, voilà, voilà. Nanou, il a pris ça. Toujours les mêmes plats. Hein. Mais non, je parle pas pour toi, je parle pour moi. Donc voilà les enfants. Donc, bon appétit. Donc je vous dis à demain. Hein. Je pense que je vais rien manger ce soir. Allez, bisous. Hein? Donc là, j'ai pas pris de dessert. J'ai fini de boire le thé en guise de dessert vers minuit. dix heures et demie, donc j'ai rien mangé, donc je suis habillée comme ceci en basket jogos, voilà. Donc, je pars pour aller au
voir mes collègues vite fait pour récupérer quelque chose. Ensuite, je pars à la mairie chercher ma nouvelle carte d'identité. Donc, ensuite, je dois aller déposer une lettre pour le problème de voisinage et je dois rentrer. Donc, j'ai décidé de faire tout ça à pied. Donc, je sais pas si je vais réussir, mais bon, voilà quoi. Donc, durant ce vlog, normalement, enfin, avant, j'en ai parlé de ce problème de voisinage, puisque ça s'est produit un jour où je filmais la vidéo, comment ça s'appelle? Une semaine dans mon assiette, si j'arrive vraiment à faire cette vidéo-là. Donc, je vais jeter ce carton dans la poubelle et je vais actionner et je vais à pied. Donc là, je peux vous dire, je vais faire des pas aujourd'hui. Hein. Bon, aujourd'hui, j'ai même envie de regarder s'il y a un carton spécial. Carton, j'en ai un si vite. Allez, c'est fait, mon kiki. Allez, go. Bon, j'y vais. Franchement, j'étais pas trop motivée aujourd'hui, mais les enfants, je me dis, il faut, parce que je vais bouffer en Guadeloupe. Allez, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Franchement, c'est pas bien de ne pas manger hein, le matin, mais moi, j'arrive pas à manger le matin. Franchement, oh my god! Qu'est-ce que c'est? Oh my god! Le chien m'a fait trop peur! Et ça fait deux fois que je me fais avoir pour ce chien! Parce que la fille le lâche dans leur cou et il fait caca dans. Bonjour! Il fait caca dans le truc du quartier, de l'immeuble. Enfin, pas chez moi. Hein. Allez, go, j'y vais! Donc là, les enfants, vous voyez la tronche que j'ai, je suis morte. J'ai même plus de force pour parler. J'ai fait plus de 17 300 pas aujourd'hui. Donc, j'ai été au boulot voir les collègues, j'ai été à la mairie, j'ai été à Nose, et de Nose, j'ai été chez moi, et de chez moi, je suis repartie pour faire un papier que j'avais à faire à la gare. Donc, j'ai tout fait sur ce que j'avais mis sur ma liste. Et waouh, je suis morte là. Là, il doit être 15h et quelques, je suis pétée. Je viens d'envoyer le message à Mélanie pour lui dire que j'ai fait ça. Elle m'a écrit, là, j'ai vu le message en haut. Oui, ah oui, oui. Donc, voilà. Donc, là, j'ai été, en passant devant Lidl, je profite toujours de prendre quelque chose. Voilà, donc j'ai pris des éponges parce qu'on n'en a plus à 1,19€ par contre les quatre. J'ai pris une baguette, voilà, je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais je l'ai pris. Si ça va pas, je vais congeler au pire des cas. Et les enfants, c'est pas parce que vous faites attention à ce que vous mangez que ok. Donc j'ai pris un chausson au tempo aujourd'hui parce que dans mon ventre j'ai qu'une salade, la salade que je vous ai montré ce midi. Donc j'ai pas pu vraiment parler ce midi parce que j'étais fatiguée. Et j'ai pris ça pour Nanou et Lorraine, un pour chacun. Je dépose le téléphone comme ça parce que j'ai plus de bras et je suis très fatiguée. Oh, oh là là. Alors, je suis KO. Et j'ai repris un jus comme ça. Voilà. Donc voilà. Si quelqu'un passe. J'ai repris ça qui coûte 1,49€. Donc là, j'adore ça. Hein. J'aurais pu prendre plus, hein, mais bon, voilà. Et j'ai pris aussi un jus de pomme qui coûte peut-être 1,10€. Donc voilà. Donc les enfants, qu'on dit ce mouna. Pour ceux qui comprennent, le créole, tout fun. Ah, j'en peux plus. Ah, j'ai pas la force. Oh. Hier soir, j'ai pas fait de thé, mais j'ai bu la moitié de mon jus de thé glacé, là. J'ai bu la moitié, et puis j'ai pas pris de yaourt. Mais là, je vais manger le chausson, avec quoi? Avec de l'eau, je crois, hein, de l'eau contresse qui me reste toujours. Donc voilà,
Allez, vous voyez quand même que je transpire là. Mais je pense que je mange ou je me douche. Je douche ou je mange. J'ai tellement chaud et j'aime bien me doucher quand j'ai chaud comme ça t'es mieux. En sachant que j'ai des choses à faire avec Nanou ce soir dans le garage. Mais est-ce qu'on va aller ce soir dans le garage? Parce que tous les soirs, on dit qu'on va dans le garage, mais on ne va pas dans le garage, ok? Donc voilà. Donc ça, c'est une boucle d'oreille que j'ai inventée. Hein. Normalement, elle n'était pas comme ça. Donc c'est moi qui ai trafiqué ça, mais je me suis fait une boucle d'oreille parce que je fais des allergies. Donc j'ai récupéré une pour, voilà. Si je dois la mettre tout le temps, il faut que je récupère des trucs comme ça en argent pour que je n'ai pas de soucis. Sinon, quand je les mets les toques, comment je dis, les toques, oui, on dit toques, je les mets, mais une demi-heure après-midi ou deux heures, ou voilà quoi. De toute manière, je ne suis pas riche, je peux me payer des boucles d'oreilles en mode de l'eau, quoi. Les enfants, regardez mon front, hein, je transpire, donc j'ai transpiré. Et j'ai envie de faire du jardinage, donc si je me douche, c'est pas la peine d'aller faire du jardinage. C'est chiant, hein, tout ça. Bon. Je crois que je vais manger mon saucisson pomme en guise de dessert et en même temps en guise de goûter. Parce que j'ai dans mon ventre, encore une fois, une salade. Ah oui, et je vais vous parler de ça pendant qu'on est là. Hein, ça évitera que... Ouh, j'ai chaud. Donc, je vais vous montrer ça. Il ne faut pas que je mette le frigo en pleine face. Donc là, cette marque-là, donc c'est la marque Carrefour. Ouais, c'est ça, c'est Carrefour. C'est rillettes de thon. Donc, non, de saumon. Donc, je pense qu'on peut plus appeler ça mousse de saumon. C'est pas mauvais, mais c'est pas... Il n'y a pas de concurrence avec ça. Avec le petit navire, ok? Le petit navire, tu sens les miettes de... Tu sens le truc dans la bouche. Mais waouh, 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 waouh. Celui-là, là... Regardez, ça fait plus mousse que rillette, ok? Donc voilà, c'est ce que j'ai mangé ce midi, mais je vais finir de le manger. Je pense que je vais le finir ce soir. Je vais me faire une petite salade ce soir, voilà. Et puis voilà quoi. Et je suis habillée toujours pareil. Ça fait des bouteilles pour aller en blé à Leclerc. Toujours pareil. Attends, je vais dehors au soleil vous montrer le pantalon, jogging. Je sais pas si vous le voyez, donc voilà, il fait beau hein, les enfants, mes petites pommes de terre, regardez moi ça, les pommes de terre, c'est pardonné. Voilà, je dois aller mettre de la terre qui est là dedans dans les trucs parce que je savais pas qu'il je sais vous acheter des sacs de terreau, il faut le mélanger avec de la terre, donc voilà. Allez, regardez le temps là, comment il a changé déjà. Regardez le temps, comment il change. Un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Allez go. Donc les enfants, à ce soir pour la photo de ce qu'on va manger. Donc si je parle pas, donc je vous le mettrai juste à côté ici. Voilà. Allez go. Normalement c'est salade. Donc tout dépend. Hier soir on a fait un extra. Allez bisous. Je suis belle. Hein? Oh oui, je suis trop belle. Bisous, c'est Timouna. Laisse tomber, belle. Allez. Ah! Bye bye.